Et c'est parti du coup pour Big Boy Shrek. Big Boy Shrek du coup qui a décidé d'aller rejoindre du coup le spawn des malades mentaux. Donc ce qui est pas mal, c'est que là du coup l'adversaire là qui est dans cette montagne a pu avoir accès à un coffre légendaire. Grâce à cela, il essaye de tuer Big Boy Shrek. Big Boy Shrek hein, qui survit à la dernière seconde et qui parvient du coup enfin se protéger. Et vu qu'il sera dans la mine, du coup il sera isolé aux attaques extérieures. Du coup, grâce au spray, il parvient sans perdre de temps à. Oula, c'est passé très vite. Du coup, Psycho, il a décidé de. Le mec qui l'a rushé, il a décidé de passer sur le côté, de grimper dans le mur, du coup, pour entrer dans la box de Big Boy Shrek. Mais Big Boy Shrek l'attendait. Et l'a très, très, très bien accueilli. Grâce aux pompes à tambour. Et c'est parti pour Zengi. Zengi hein, qui aura fait du sale hein, dans cette game numéro 1. Décide d'attaquer un adversaire. Attention à la PM hein, qui fait très très mal. Donc là Zengi se faisait attaquer de loin mais se défend du coup de l'adversaire hein, qui attaque de loin. Se met les splashs et il se dit allons-y parce que lui je l'avais crack. Il le revoit. Et voilà. Pas besoin de pompe, hein. La PM fait le travail. Et c'est parti pour Jaoki. Jaoki qui décide du coup. Ouais bah ça. Jaoki du coup qui décide d'aller loot la maison des cowboys. On voit que les deux se sont acharnés sur le coffre. Jaoki hein, qui avait décidé de piocher son adversaire pour essayer de le tuer à coup sûr. Wifix hein, qui avait vraiment décidé de faire un 50-50. N'y parvient pas face à la supériorité de Jaoki qui a eu un meilleur drop que lui. Donc là il y a vraiment beaucoup de métal. En plus ce qui est bien c'est qu'il est isolé. Décide d'aller à la station essence mais il sait que ça a été loot ici. Donc là décide d'attaquer du coup l'adversaire hein, qui avait décidé là l'adversaire hein, qui avait décidé d'ouvrir brutalement la porte est apparu soudainement tel un Pokémon sauvage et Jaoki parvient du coup à le capturer. Et c'est parti pour Kings of Sky. Oula, le moins 150 qui passe, il décide encore d'aller bloquer Seti hein, qui se retrouve bloqué, qui s'est fait laser comme un chien. Doit abandonner cette game face à la supériorité du coup de Pixoff qui aura manié cette PM à la perfection. Et c'est parti pour Clairna. Clairna hein, qui a décidé du coup d'aller sauter à Rokirin. Du coup hein, le drop parfait. Hein. Oula! Le drop parfait qui parvient à tuer le high de la télévision. Très très bien joué du coup de Claire. Hein. On voit qu'il a vraiment en plus de ça le contrôle total de la montgolfière. Et c'est parti pour Thomas HD. Thomas HD hein, qui a repéré du coup le fight qui est en face de lui. Décide d'y aller en mode ninja. Et puis là repère un adversaire.
Oula, et Thomas HD qui laisse un HP, du coup son adversaire se précipite sur lui. Du coup il sait qu'il est vraiment à ses pieds. Et Dishen, il a un HP. Ça doit être Noah Reilly ça. Là, du coup il est là, du coup il pousse encore hein. Ouais, du coup ton massage t'es pas bien tué Noah Reilly hein. Noah Reilly hein, qui se serait battu jusqu'au bout. Puis là c'est parti pour Skizu Ted qui aura fait visiblement une très très mauvaise cup. Décide du coup d'aller courir près de ce fleuve de Loot Lake. Repère un adversaire là-bas. On dirait bien que cet adversaire du coup se fait attaquer par le pont de Spike lui-même. Du coup il décide qu'est-ce que va-t-il faire. Il y a un adversaire au-dessus de lui. Du coup il va quand même décider d'aller sneaker cet adversaire. Du coup prend vite le mur mais malheureusement parvient pas à prendre le mur. Du coup l'adversaire qui était les 2-100. Ouais, du coup l'adversaire qui était au-dessus décide de rentrer dans Tao lui aussi. On voit que ça va dépenser beaucoup de construction. On voit que c'est très 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 tendu. On voit qu'il y a un quatrième qui peut intervenir à tout moment. Et puis là l'adversaire qui prend vite le mur mais rate la balle de pompe. Skizu qui a eu beaucoup de chance sur ce coup-là décide d'aller piocher de côté. Skizu hein, qui survit encore et qui effleure encore cette balle de pompe. Il a même pas le temps de boire une grosse que l'autre adversaire est déjà sur lui. Mais l'adversaire hein, qui s'est retrouvé bloqué et qui se fait tuer du coup par Skizu. Skizu qui aura ramassé aussi des constructions, donc ça le met pas mal. Et c'est parti pour... repère le fight à la station essence. Du coup il s'est mangé un petit hit mais rien de méchant vu qu'il avait une grosse. Du coup les deux hein, qui se fight sans relâche hein, et qui n'hésitent pas à prendre cette tyrolienne hein, pour faire encore plus de dégâts. Donc l'adversaire hein, qui vient tout juste d'éliminer son adversaire. Du coup, va essayer de tuer son adversaire. Donc on voit que la tiro fait encore du sale. Hein. On voit que cette tiro fait du sale jusqu'au bout parce que l'adversaire l'aura manié jusqu'au bout cette tyrolienne. Mais on voit que parvient lui aussi à utiliser la tyrolienne pour essayer de rentrer dans l'arc de son adversaire. Son adversaire hein, qui aura peut-être dû quitter la tyrolienne. Et puis qui décide de tuer le landais Diox hein. Et c'est parti pour Anas hein. Anas qui reste encore dans la caverne. Du coup repère un adversaire. Donc là, repère la boxe.
Et du coup, il va foncer dans cette box pour faire un moisson et pour tuer DKS. Non, staff. DKS qui nous quitte comme ça à cause de la méta, wesh. Donc parmi les joueurs qui ont toujours pas rejoint la zone, nous avons Or Refiz, qui aura vraiment un pseudo très original. Du coup, décide d'aller prendre le canon pour aller rejoindre cette zone. Du coup, vu que tout le monde a peur de prendre des pads et de se manger des moins de 200, il décide d'atterrir à la régulière. Du coup, décide de passer sur les côtés du pont. Il a repéré un adversaire dans le pont, what the fuck. Rencontre inespérée. Il fait tout hein, pour rentrer dans la box de son adversaire. Son adversaire qui fait tout pour survivre et qui n'hésite pas du coup à mettre des plaques métalliques. Hein. Du coup hein, l'adversaire hein, qui n'hésite pas à dépenser toutes ses constructions pour pouvoir survivre à Aurore. On voit qu'il lui reste encore des plaques métalliques même, et Aurore hein, qui avait essayé de le faire tomber. Et puis voilà, user 39 96 65 52 36, malheureusement nous quitte. En plus de ça, il avait vraiment pas de chance parce qu'il y avait un adversaire qui avait décidé de les accueillir. Bon bah finalement du coup tout se passe bien pour Aurore. En plus de ça la zone est vraiment à côté. Et en plus de ça Aurore n'est pas comtesse parce qu'on voit que Aurore il n'y a vraiment pas d'adversaire à côté de lui. Donc Aurore est vraiment bien du coup pour pouvoir continuer cette guerre. Et c'est parti pour notre Bad Sniper. Bad Sniper du coup qui s'est bien, qui s'est très bien positionné, essaye de tirer dans tout ce qui bouge. Ce qui est pas mal avec le stuff de Bad Sniper, c'est qu'il est full munitions. Donc on voit que aussi Tilted a payé parce qu'il a même un pad. Donc oula, le petit moins 5 qui passe. Mais malheureusement pas suffisant pour tuer cet adversaire. Donc bientôt on va pouvoir savoir pour la zone. Donc là, repère un adversaire dans le blanc. Du coup Bad Sniper hein, vu qu'il tirait dans tout ce qui bouge, et il a raison parce que vu toutes les balles qu'il a, il a bien raison de tirer dans tout ce qui bouge. Donc là, comme vous le voyez dans cette PEB, il repère un adversaire qui est dans le blanc et qui a un HP. Et puis ce qui est bien, c'est que Bad Sniper parvient du coup à tuer Snazy grâce à sa PM pulvérisante. Et ensuite, hein, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est full stuff, il tire encore sur tout ce qui bouge. En plus de ça, il s'est box là où il le fallait parce qu'il est dans la zone. Du coup, c'est parti pour la Movic Zone. Donc là, c'est bon, à peu près tous les adversaires ont presque réussi à rejoindre cette zone. Donc là, il a repéré un adversaire. Il repère un adversaire. On voit qu'il y a un adversaire qui ne le lâche pas. Et finalement, tire là où il le fallait. Et tu snooze lose. Bien joué, Bad Sniper.
Du coup, nous avons accès à Claire Xna. Claire Xna. Qui décide de pas de. Pour aller rejoindre la zone. Donc, ce qui est pas mal avec Claire Xna, c'est que. Il est bien snap. Il est très très bien snap. Il a des maths. Il décide même d'attaquer un adversaire et l'adversaire est dans le coin. Donc, il a raison d'aller l'attaquer. Il rejoint sa peine. Il recherche sa peine pour justement, il le cherche. L'adversaire qui avait enfin réussi à mettre une mini poke essaye de survivre comme il peut. Il sait qu'il doit tuer, donc à la fin il parvient quand même à tuer son adversaire. Donc bravo du coup à Clarisse là. Et puis là il repère un autre adversaire, hein, qui se jette sur une stèle. Et Clarisse là qui décide de mettre un bon gros full PM pour essayer de tuer cet adversaire qui lui a volé son stuff. Et finalement il me fait descendre, il lui met un coup de pompe et tue Darkiz. Et c'est parti pour Belle Camille qui a deux doigts de s'envoler pour cette mobile zone infinie. Et c'est parti pour la mauvaise zone. On perd un adversaire, le petit Massin qui passe. Hein. Et finalement, il ne l'a pas lâché. Tu cool, Benny. Bravo à toi, Camille. Et c'est parti pour Knight. Knight hein, qui n'hésite pas à courir de toutes ses forces pour aller rejoindre le plus près de cette zone. On voit que là, qu'il y a les gens, ils n'hésitent pas à prendre des camions, à prendre des voitures pour pouvoir économiser un maximum de construit. Donc attention, hein, le camion qui aurait pu tuer Elite. Elite hein, qui a une T-Shane au bon moment pour aller tuer Mariolo. Et c'est parti pour Pigs of Sky. Pigs of Sky. Qui a décidé de foncer sur toutes les boxes avec son camion. Malheureusement, son camion n'a plus de vie. Alors on voit son aller simple. Son aller simple, donc grâce à son aller simple, il s'est parvenu à se boxer au plus près de la zone. Et c'est parti pour le déchaînement de Pixel. Comment ça, moi, je rate cette solo cash cup. Je vais essayer de gagner du cash. Du coup, repère Skylovia, le tue. Décide de sprint pour essayer d'économiser un maximum de construit. Repère un autre adversaire, tue normal. On perd encore un autre adversaire, mais malheureusement pas suffisant. Mais il décide de pas le lâcher. Donc là, attention, l'adversaire hein, qui est dans la tempête. Finalement, hein, l'adversaire, comme vous voyez, a voulu tanker la zone. Mais Pixaf l'a pas lâché. Pixaf l'a pas lâché. Et du coup, il tue le russe Vadil. Vadil, hein. Ce gros porc hein, qui lui restait encore des poissons. Du coup, grâce à ça, il va contester le high. Il va contester le high, donc dépense toutes ses constructions pour essayer de récupérer ce high. Mais le high qui ne veut pas abandonner, donc Pizza hein, qui décide de redescendre. Mais grâce à ça, il parvient aussi à gagner beaucoup de points de survivants. Donc là, attention, la zone se finit dans l'eau. Donc le long round hein, qui est obligé de dépenser des maths et il tue Hugues. Hugues hein, qui avait tout fait pour essayer de survivre pour aller gagner ce top 5. Du coup Pixaf hein, qui gagne ce top 5 et qui décide d'aller chercher son adversaire et qui le trouve. Il était dans l'eau et tue Sears.
CS1 qui nageait beaucoup trop dans l'eau. Du coup, Pixaf, hein, il lui reste 400 de maths. Et malheureusement, hein, Pixaf, hein, qui aurait pu se défendre jusqu'au bout grâce à ses maths, donne tous ses maths à Camille. Camille, hein, qui décide du coup d'aller tanker cette zone. Repère un adversaire. Du coup, grâce à ses maths, parvient à survivre. Il sait qu'il peut aller chercher ce 1v1 grâce à ses maths, mais il parvient à aller récupérer ce high. Du coup, il attaque le high. Et oui, hein, comme je vous l'ai dit, il y avait trop de constructions qui étaient en jeu. Du coup, Camille, grâce à ses construits, il parvient à réaliser son rêve. Son rêve, c'était d'aller chercher ce 1v1. Son adversaire, hein, qui a tenté un pré-shot, mais qui n'y parvient pas. Et du coup, Camille, hein, qui a plus qu'à rester. Oh, mais qui se fait pré-shot par Pink. Et Pink, hein, qui fait top 1. Et qui est parti chercher, hein, cette victoire royale. Bravo du coup à Pink.